Donne ton attention à celles qui te donnent leur attention. Il y a des femmes quelque part qui sont prêtes à se battre pour toi. Il y a des femmes quelque part qui veulent de toi, qui veulent être en couple avec toi. Le problème, c'est que tu es concentré sur une femme qui ne te calcule pas vraiment. Tu es en couple avec une femme qui ne t'aime pas. Et tu es là parce que tu penses que les choses vont changer. Non, frère. Ok, donne ton attention à celles qui te donnent leur attention. Mais ne leur en donne pas trop. Ok, elles sont prêtes à se battre pour toi parce qu'elles ne t'ont pas. Ok, elles se battent pour avoir ton attention parce qu'elles ne l'ont pas. Donc si tu en donnes trop, elles finiront par prendre ça pour acquis. Si tu es trop disponible pour ces femmes qui sont prêtes à se battre pour toi, à un moment donné, elles vont perdre l'envie de se battre pour toi. Et c'est la même chose qui s'est passée avec la meuf en ce moment avec qui tu es, qui ne s'investit pas trop. Au début, elle était peut-être trop investie. Mais après, elle a remarqué que tu as commencé à t'investir plus qu'elle. Donc, elle ne voit plus trop l'importance de s'investir parce que tu es déjà trop investi. Ok, frère. Parfois, les femmes arrêtent de s'investir parce qu'elles remarquent que l'homme est déjà trop investi. L'homme est déjà trop amoureux. Donc, elle se dit, ok, le mec est déjà trop amoureux, il est fou amoureux, donc pourquoi encore s'investir? Pourquoi encore faire des efforts vu qu'il est déjà dans la sauce? Ok, frère. Donc, même ces femmes-là qui se battent pour avoir ton attention, qui se battent pour t'avoir, un moment soit là et disparaît. Ne leur donne pas trop de ton attention. Ok, frère, même dans la vie en général, donnez votre attention aux gens qui vous donnent leur attention. Parlez aux gens qui veulent vous parler. Parlez aux gens qui veulent vous écouter. Ne forcez pas là où on ne veut pas vous écouter. Ne forcez pas avec les gens qui ne veulent pas parler avec vous. Non, les gars, allez-y là où les gens veulent parler avec vous.